Bon, on est parti pour une nouvelle run. Je viens d'en tenter une là, avec une boîte de Pandore. Je suis mort acte 1. Tout va bien. Avant de commencer, il se peut que le son soit différent. N'hésitez pas à me le dire. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait un peu d'écho. Mais ça se trouve pour vous, ça change rien. Donc, c'est pour ça que je demande des retours. Qu'est-ce qu'on prend? Ouais, je prends relique de boss encore. Hein. Ok, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Après, remarque, les upgrades. Pas avoir d'upgrade sur ce perso, c'est un peu gênant. C'est un peu. Avec la silencieuse, c'est un peu les deux qui sont contents d'avoir des upgrades, quoi. Et on n'est pas content de prendre ça. Putain, il casse les couilles, le mâchouilleur, là. L'avoir en premier à chaque fois, il t'arrache la gueule. Parcourir. Ouais, parcourir à 4 d'énergie, c'est bien. Hein. Ouais, tu vois, ça m'évite d'avoir ce genre de tour. Ok, c'est satisfaisant. Des assemblages. Ah mais des assemblages pas upgrade. Tu vois, là on rentre dans le côté où ne pas pouvoir faire d'upgrade, c'est chiant quoi. Le désassemblage pas upgrade, c'est un peu à chier du coup. En vrai, je peux prendre fondeur hein, contre le gardien, c'est bien, c'est une bonne attaque. Et on n'a pas besoin de l'upgrade. Je pense qu'on va prendre fondeur du coup. Sinon, c'était tous les jours des assemblages, mais bon. On va pas se plaindre non plus parce que être à 4 d'énergie, c'est vraiment bien quand même. Hein. Ah, ça c'est chiant par contre. Je vais jouer ça du coup. Démarrage ou faisceau. Faisceau, c'est pas mal en vrai. Petit AOE, un peu de pioche. Bon, de pas l'upgrade, ça c'est peut-être un peu dommage. En vrai, j'hésite. J'hésite vraiment entre les deux. D'ailleurs, est-ce que j'ai bien fait de partir ici avec 3 feux en sachant qu'on peut pas upgrade? C'était peut-être très con. Je vais prendre faisceau, je pense. Je prends faisceau parce que, en fait. Du coup, vu qu'on peut pas upgrade et faire que soigner, c'est moins grave de prendre des dégâts early. Après, si on me le repropose, je le prendrai, je pense. J'aurais dû taper lui. Adeptes, des assemblages, même problème, c'est pareil, des assemblages rayon sel, encore une fois, c'est dièse. Après, je pourrais quand même prendre des assemblages, ça reste une grosse attaque. Ou alors, je prends lacération, mais je suis moins fan. Je vais prendre des assemblages quand même. Parce que ça reste une attaque de zone aussi, tu vois. Pardon. On fait double frappe et double def. Comme ça, là, si j'ai une frappe et des assemblages au prochain tour, je pourrais la jouer. Ce serait bien. Des assemblages maintenant. Oh, let's go. En vrai, c'est quoi? C'est double frappe et électrisation? On va faire ça sur lui, vu qu'au prochain tour j'ai deux défenses. Si on peut tuer lui avant le prochain tour. Ce serait bien.
Bah, nickel. Nickel. Allez, on prend pas 10 dégâts sur ce tour. On en prend, on prend quand même. Mais on n'en prend pas 10. Bon, c'est mieux que rien, on va dire. Ah, c'est un bon fight, je pense. Masque souriant, c'est pas mal. Autoripère, on prend quand même. Hein. Ouais. En vrai, vu que j'ai autoripère, est-ce que... Ouais, non, je vais quand même me soigner. En vrai, on va faire les deux élites, quoi qu'il arrive. Donc, ça sert à rien de prendre la clé tout de suite. C'est plus greedy qu'autre chose pour aucune raison valable. On va faire ça, je pense. J'ai 3, en vrai, on va tuer lui plutôt, du coup. On va faire parcourir, comme ça on en tue un à 100%. Auto-repair. Ok. Recyclage, c'est une bonne carte, mais pas pouvoir l'upgrade. Je sais pas si ça vaut le coup de la prendre. Hologramme, ça vaut quand même le coup. Ça, j'en suis sûr. J'aimerais bien prendre recyclage quand même. Je pense que c'est bien quand même. En vrai. Peut-être prendre la boîte à outils. Ça peut nous donner une apothéose. Notamment. Virer une... Hop. On va rien faire d'autre. Je pourrais prendre Overclock à la limite, mais... Pas envie de choper des brûlures. Est-ce que je joue potion d'adepte contre lui? Ça, je vais l'utiliser contre le gardien. Pour l'instant, je n'ai pas chopé de défense, donc on va essayer de la garder pour le gardien. On start maintenant, je pense. Ouais, on start maintenant. Le prochain tour est pas ouf, mais bon. Là, je pourrais parcourir. Du coup, je le start à l'ététrisation. Ok. Bon, ça reste un bon fight. On n'a pas perdu trop de vie. Oreille Royale, c'est bien avec ce qu'on a. Ouh. Bien créatif. Après, j'aime bien l'algorithme génétique. Ouais, elle joue assez facilement. Bon, mais je pense que Yael créatif, c'est quand même... quand même supérieur à 4 d'énergie déjà. Pour la caler plus facilement. Bon tour 1. Moins bon tour 2. Je prends 11, je régène 7. Franchement, c'est ok.
En fight, pas forcément facile. Ah. Est-ce que je le prends tout de suite en vrai? On a IA créative et autoritaire. Après, faut que je joue IA créative pour que ce soit rentable du coup. Est-ce que je prendrais pas illumination en vrai? Ça reste rentable. Et il est en vrai ce fight quand même. Pas évident du tout. Il y aurait peut-être recyclage, mais du coup, c'est pas dingue non plus. Pas du jouer l'utilisation. Ouais, je vais proc ça. Si en vrai, je vais jouer l'utilisation du coup. En espérant voir des assemblages. C'est de la merde. C'est de la merde. Une chasse. Passe à 27 si je joue ça. Donc le prochain tour. Ok. Bon, ça pique un peu, mais... Phérique. Voilà. Est-ce que je prends la potion phérique? Je pense pas. Dans tous les cas, je vais me soigner, là. Et on va utiliser ça. Illumination, c'est bien, en vrai. Pour jouer des assemblages IA créatives, champ de force. Est-ce que j'en ai besoin? Peut-être pas. Allez, tampon au prochain tour, on n'en parle plus. Dommage. Dommage. Bon, je peux pas le descendre là, du coup. J'utilise une autre potion encore, mais ça me fait chier. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, ouais. On va prendre cher. Hein. On va prendre cher. Je vais pas jouer biais cognitif maintenant. C'est du tout toutes mes défenses maintenant. Et ça, c'est un peu chiant. Ouais, je chope un dissipateur de chaleur. Ça pourrait être bien. Ah ouais, je pourrais peut-être jouer Bieko maintenant. Bon, je vais encore attendre un tour de deck. Petit peu cher. Ça, c'est très cool. Ça c'est très cool, ça c'est très cool.
intéressant. Oh, tu en es bien. On est bien. J'ai fait un peu peur quand même. Sur tension, c'est bien. Ça nous permet de jouer un biais qu'on pourrait avoir avec l'IA. Après, il y a amplification aussi. Amplification auto-repair, amplification IA créative. Ça peut être sympa aussi. Je pense que je préfère quand même ça. Cette pyramide. Pyramide, ça pourrait être le bordel quand même, hein, avec l'IA créative. Je vais quand même la prendre. C'est toujours un peu risqué de prendre l'IA créative quand tu as un moyen de créer des cartes. Je pense qu'on part ici sans pour autant se dire qu'on va faire tous les élites. Je veux faire ce shop, c'est sûr. C'est la seule chose dont je suis sûr. Le reste, on va voir. Je fais combien avec ça? 12. C'est sûrement la potion qui va partir. Les relous. Rebond et cursivité, le fuselage. Rebond peut être sympa avec avec la pyramide. Je vais le prendre. Ça peut me permettre de récupérer champ de force quand il sera à zéro, ou recyclage. En illumination. Allez, prochain tour, lui, il est mort. J'aurais dû jouer autour hyper avant, je suis bête. J'aurais économisé un d'énergie. C'est quand même important. Je sais pas si je peux le tuer là, avec fondeur. Ouais, large. Largement. Peut-être prendre rayon sel en vrai avec la pyramide aussi. Ça rend mon désassemblage plus intéressant aussi. Dalle rituel, ça peut être sympa aussi. Je peux la prendre. On a votre le mot. Il tape encore.
Ok. Donc je tue. Nickel. Ils sont bien envie de faire satellite en vrai. Au pire, je skip lui après. Ça c'est fort embêtant. Peut-être recycler IA créative et jouer champ de force et des défenses. On s'en sort bien, ouais, pour l'instant. Hello World, c'est non. Sinistrose, on est contre quel boss, le champion? Ça pourrait être bien, ouais. Ça nous donne un scaling. Et un peu d'attaque de zone aussi. Et un peu d'attaque de zone. Notamment contre lui, ça peut être pratique. Est-ce que je prends aveuglement ou technique secrète? Peut-être technique secrète, ça me donne plus de chances de pouvoir tuer les deux petits. Après, je pourrais prendre frisson aussi. Pour parcourir. C'est pas très intéressant. Du rebond, ça non. Ils sont. Hologramme faisceau. Ah mince, ça tue pas faisceau. Putain, mais je suis teubé. Après, j'ai des Sinistros qui arrivent derrière. Il tape pas en plus. Ok. Jouer la forme, c'est plus greedy qu'autre chose en vrai.
Là, je fais activation double. Voilà. Comme ça, je peux jouer ça ici. Nickel. Ok, bon fight quand même. Au près, bon, c'est pas dingue. Un autre cyclage, je pense que je prends en vrai. Glacier, je prends aussi, je pense. On a quoi? On n'a pas d'autre shop, donc ça vaut peut-être pas le coup de prendre le ticket. Peut-être que sinon, carte d'interrogation, c'est sympa aussi. En vrai, ça, si j'avais pas deux recyclages, ça aurait pu être sympa, je pense, aussi, à être sur tension et dalle rituel, même frisson. Mais je pense, avec les recyclages, c'est pas... C'est pas dingue, dingue, quoi. Je vais être sûr de les exos, mes cartes, je pense. Je pense que je préfère prendre glacier que ça, quand même. Une défense aussi. J'achèterais bien ça aussi. Je pourrais prendre une main de la tue. Je pense pas que ce soit rentable à ce stade là. Sinon j'achèterais un. Inspiration peut-être. Bon, c'est pas dingue comme T1. Pas dingue du tout. Ah, là c'est qu'en termes d'énergie, on n'est pas... On n'est pas au mieux quoi. Hein. On est clairement pas au mieux. Peut-être pas jouer l'IA créative. Hein. Un 43. Oh, je tue, non. Vise les yeux, upgrade, on prend. Prendre nos stylos, on prend. On va se soigner. On va voir sur un petit burning. On se court en vrai. Ou illumination. Illumination, c'est sympa, mais... Mais est-ce que c'est quand même pas mieux Putain, après, j'ai pas mal de cartes à deux, quoi. C'est quand même mieux ça dans ce fight. Après, je t'avoue que ça me fait chier de l'utiliser maintenant. Après, ouais, je pourrais utiliser ça éventuellement. Et on va se laisser taper. Comme ça, on proc le recyclage. Les nymphes centenaires, pardon. Pioche combien? 3 cartes. Peut-être jouer une carte de plus pour faire la place. Activation double ou recyclage? Peut-être recyclage. Je vais taper lui maintenant. Si avec la pyramide, on n'a pas envie de se retrouver trop de plaies. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le focus en premier. Peut-être. Faire rebond des assemblages, mais c'est pas hyper rentable non plus quoi.
Ah, du rebond. Ok, ouais, ça va, ça s'est bien passé. Bougie bleue, c'est pas dingue. Des charges statiques. Non. Compilateur, en vrai, ça nous donne un peu de pioche, mais. En fait, on a plus besoin d'énergie que de pioche, là. Je vais la prendre quand même, je pense. Prendre la clé. La bombe. De l'écho pyramide. L'angoisse. Ça aurait été bien d'avoir surtension. En vrai, je pourrais proche ça. Ah, attends. Ah, dommage, on l'a pas. J'aurais tenté. Ouh, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. On veut jouer la bombe. Ce serait bien que je chope ça pour le tuer. Avant la bombe du coup. Ok, nickel. Bon, ça va, on a eu un bon œil de gecko quand même. On a même régène sur le fait. Ouh, dissipateur avec IA créatif, c'est le ratos, mais bon. On a toujours pas d'énergie quoi. Oh. Okay, gourmand, gourmand. C'était gourmand de ma part ça. J'aurais dû faire ça avant. Ah, c'est pas le même deck que... C'est pas le même deck sans, enfin avec les améliorations. Clairement, ça nous change la vie. Ok, fusion. Fusion, ça c'est... En plus, elle est upgrade, c'est incroyable. C'est clairement incroyable. Et je pense que je vais claquer ça en vrai. J'en aurais pas beaucoup besoin autrement, je pense. Je vais prendre transmutation. Je vais l'utiliser maintenant. Ok, c'est pas mal en vrai. Le rituel c'était chiant parce que j'aimerais la garder en main, mais du coup ça va un peu me polluer quoi. On va virer ça. Ok, fusion, bien créative.
J'aurais dû faire fondeur avant. J'aime bien ça. J'aurais dû faire ça avant, non? Toutes nos défenses, je sais pas si c'était la meilleure idée, mais bon, je pourrais faire ça fois 2, alors ça fois 2, mais sans vulné, c'est moins rentable. J'aurais dû pureter Hello World en vrai. Sinon là, parce que là je vais être full draw. On va glacier x2. On vise les yeux. Faire électrodynamique. Faire pureté sur Hello World, grabuge. Fait combien de 48? Ok. Est-ce que ce n'est pas un fight perfect? Oh la l'apothéose qui arrive à la fin. Je crois bien que si. Attends, je peux apothéose, comme ça je peux l'upgrade de 5. Mission. Amplification. Amplification, c'est peut-être un peu trop ligue, je pense. Mission, c'est bien. Pas fission, pas upgrade, mais bon. Oh, c'est bien quand même. C'est de l'énergie, quoi. En parlant d'énergie. Ah, ouais, je pourrais prendre ça vu que j'ai la bougie bleue, mais. Enfin. Après, ça m'empêche pas de l'avoir dans le deck quand même, quoi. Ouais, non, avec la pyramide, je pense pas que ce soit si bien, ça. Je pourrais prendre la batterie vu que j'ai fusion. Peut-être mieux, en vrai. Enfin, j'ai de la faiblesse aussi, mais j'ai pas tant de ça de défense non plus. Puis en vrai, avec fission, c'est pas si mal non plus, je pense. Vas-y, on va prendre ça. Dévoreur. On va se faire full élite. Il y a un shop à la fin. Est-ce qu'on fait deux shops? Je pense que oui. En vrai, si je chope les pilules, je suis bien. Si je chope l'apothéose, je suis bien. Et on a envie d'être bien. J'ai envie de tenter de Deal Rituel lui plutôt. On va voir, ça va dépendre le prochain tour. On va peut-être limite dû me laisser taper. Non, ouais, je pourrais fléau.
combat bon fight. Hein. Je pourrais prendre le consumer en vrai. Dans l'idée, allez, si être créatif, si ça me donne des orbes en plus, tu vois, ça peut être bien, mais. Je pense pas que ce soit suffisamment rapide pour que ça soit rentable. Autant jouer avec des biais courts. Alors non, ça on va pas le faire. On n'a ni les pilules, ni ni l'apothéose. Je vais prendre sans froid. Je verrai une frappe. On va économiser les gold, je pense, pour le prochain shop. Espérons qu'il soit meilleur. Si je fais ça, je perds. Faire ça avant encore, tiens, je joue à l'envers. Ah merde. Non, c'est tout ce qu'on attend. Hein. On attend ça. Resto balayant upgrade. Pour le repto, ça peut être sympa. Moi, ça fait peut-être beaucoup d'attaques. Non, je pense pas que je le prends. Ah mais après si les tours se passent, tous les tours se passent comme ça, moi je prends hein. Je prends le plaisir. Ils sont arrivés plus tard. Je ne peux pas le tuer avec... Putain, il y a la boue aussi. La bombe va exploser sur ce tour. Ok, ça va, j'ai la dalle. On va faire ça. Nickel. Saut plus. Pas nécessaire en vrai. Ouais. Ouais, ce qu'il me faudrait, c'est peut-être plus de genre glacier sans froid. Plus d'or glaciaire de manière générale. Apothéose du plaisir. Est-ce que je rayonne maintenant? Je pense pas. Si je glace, je perds mon orbe plasmique, ça c'est un peu chiant. Tellement incroyable en vrai. Quand on a l'apothéose. Ok.
casse les couilles par contre. J'aurais pas dû faire ça parce que du coup je peux pas l'hologramme. C'est con. Nickel, en plus j'aurai la pointe pour le prochain fight. Statue bestiale blanche. Ok. Ce choc ne sert à rien, ce feu, pardon. Mais bon. Violence, subtilité ou éclair. Peut-être éclair pour statue à la pointe. Je sais pas si j'ai bien fait sur tension maintenant. Ok, ça va, il retape. Enfin, il retape. Du coup, ça va. Ouais, subfusion. Change avec ça. Ah, si j'avais eu la pointe, j'aurais peut-être tué là, non? Je pense. Ah merde, fait, je rebond ça. Souffrir là quand même. Ok, tampon. C'est pas une bonne potion de blade là, je pense. Et ça. Ok. Œuf toxique, c'est cool en vrai. Hologramme plus. On va prendre. Œuf gelé, ça aurait pu être sympa, œuf gelé en vrai. Bon, le coffret nous a servi à rien. Pas terrible comme terrain. Faut même pas tuer les deux. Ouais, c'est dommage ça.
J'aurais dû faire activer son double avant de déj ma fusion. Ok, c'est un bon tour quand même. On a joué pas mal de cartes. On va pas jouer fission maintenant. Non. Peut-être le tuer prochain tour. Non, ça me paraît difficile quand même. Ça me paraît difficile. Je ferai 100 dégâts à peu près. On a déjà tué les petits. Lanterne, potion d'attaque, énergie double. Je pense que ça vaut le coup de faire un. En vrai, ouais, si ça. On peut avoir les cartes incolores. Ou alors un fight. Est-ce qu'on fait polyvalence? Alors, peut-être utiliser une potion en vrai. Ok, c'est bien.
Comment on scale? Ça, c'est une bonne question. Avec l'IA, quoi, mais. À part ça, y'a pas trop. Hein. Pas trop de scaling, hein. Complète. On peut attendre encore un tour, ça me paraît délicat. Ça me paraît délicat. La main est pleine. Mais ça c'est chiant. Ouais, le problème c'est qu'il faudrait que je chope ça, quoi. Et le deuxième problème, c'est que le choper avec un d'énergie, ça ne sert à rien. Du coup, Bah, du coup, ça met bien dans la merde tout ça. Le choper en dernier, c'était terrible. Hein. C'est terrible. Quand même pris beaucoup trop cher, mais vu qu'au fond on peut faire que se soigner, en vrai c'est faut juste pas mourir avant, quoi. On a deux fights à tenir. Ouais, il tape tout ça. Oh là là, oh l'enfer, oh l'enfer. Ça d'abord, puis ça. C'est de la merde. Est-ce que c'est pas les deux potions qui partent? Putain, mais j'en tue même pas un, quoi. Voilà, je tente dissipateur IA créative, peut-être. Et ben, c'est toujours de la merde. En vrai, je peux utiliser. Vas-y, en vrai. Ce tour 1 est beaucoup trop énervé, quoi. Enfin, était beaucoup trop énervé, du coup. Heureusement qu'on avait un peu de ressources. Faiblesse, agglomération, upgrade. C'est un grand oui.
sais si j'ai bien fait de faire ça maintenant. Récupère parcourir agglomération, ça dépend peut-être du prochain tour, donc j'aurais pas dû faire ça maintenant. Complète quand même les derniers fights. Ça s'est pas passé au mieux. Quel coup, ah. Pour résonante ou recyclage de plus? Non, je pense que c'est quand même pour résonante. Hein. Oh, elles sont là. Elles sont là. Est-ce qu'on prend boucle aussi, je pense? Je pense pas qu'on prend la poire. Est-ce que je prends frisson inné? Non, je pense pas. Je vais acheter ça. Ok. En vrai c'est satisfaisant, je pense qu'on est bien quand même. Maintenant qu'on a ça en plus, on est archi bien même. Sur fait. On a peut-être du rebond ça. J'aurais dû la tège avec le recyclage, je suis trop bête. Putain. Allô, la défense? Où es-tu? Ah, ici. Les rebonds glaciers du coup. Ouais, je trouve du focus, sauf que j'ai pas encore joué avec la team. Est-ce qu'on joue boucle x2 ou... Ouais, bien sûr que je le chope pas parce qu'elle est en dernier dans le deck. Là-dessus. Défense. Je joue pas, il est créatif ou deux en vrai.
va bien polluer mon deck, mais bon. Je t'avoue que là, je suis un peu dans la merde. D'ailleurs, je devrais jouer ça tout de suite. C'est déjà un petit peu tard. Un petit peu tard. En vrai, ça c'est incroyable hein, par contre. Sauf que je peux pas le jouer maintenant. Enfin, je pourrais en vrai. Ok. C'est bon. On est bon, on est bon. La situation est stabilisée. Je répète. La situation est stabilisée. En fait, faut que je fasse gaffe parce que je veux pas le tuer. Je veux pas le tuer avec l'arme. Je veux le tuer avec ça. J'ai pas joué, c'est une défense, non? Ok, il faut que je recyclage x2 au prochain tour. J'aurais juste du tâche d'orage. Je veux pas les jouer, ça là. Hum. La gueule des tours.
On a 32 potus. Il faut se dire parce qu'il y a quand même un cap d'armure quoi, donc donc faudrait pas qu'il tape au-dessus de 999 quoi. Prochain tour, je fais activation 2x2. Ok. Et là, éveillé. Éveillé, on va pas pouvoir faire la même chose vraiment. Ça me paraît difficile. Après, en vrai, si on chope de l'IA, du biais cognitif, en vrai, c'est... Ça rend la game plus facile quand même. Pourquoi je vais claquer ça, en vrai. J'espère qu'on va jouer beau. Ça, j'ai une défense. Je sais pas si j'hologramme la bombe pour éventuellement recyclage de feu. Ça pourrait être une idée. C'est 40, c'est ça. Il faut que je tombe ce tour. Sauf que j'ai zéro défense. Du coup, compliqué. Et j'ai surtout pas de pioche, quoi. Est-ce que je hologramme une utilisation pour faire une meilleure pression? Un peu la misère de faire ça, mais bon. Et surtout, ce que je chope derrière, putain. Ah, ça s'articule très mal. Ça s'articule très mal. Ça sent la mort là en fait. Ouais. Putain. Chier. Ah la misère des tours qu'on a là. J'aurais peut-être dû prendre la... J'aurais peut-être dû prendre la... La fission innée... La fission innée, pardon. Moi ça me donne de la pioche aussi quoi mais... Donc, je joue il y a créatif je pense. Ou alors je joue forme résonante d'abord. Je fais quoi là en fait? Ma seule défense, c'est glacier. Il me reste 4 d'énergie. Ouais, je vire des cartes. Sauf que j'ai que les pouvoirs, j'ai la belle rituelle éventuellement. Faire faisceau d'abord, je pense. Je la veux au prochain tour. C'est multi, c'est la mort. Bon, je voulais être créatif maintenant. Ah ouais, faudrait que je reset le deck, je pense. Donc là, je voulais ça quand même. Ça.
Peut-être je joue ma dalle rituelle maintenant, en vrai. Et là, je pioche 4 cartes au prochain tour, donc j'aurai une bonne aglo. Je peux ne rien faire de plus. On fait aglo. Forme résonante. On va recycler les assemblages. Non, je joue aussi à créative. Et là, et ben là, bonne chance à tous, quoi. Hein. Bonne chance à tous pour le prochain tour. Une autre IA créative, on s'en fout. On va faire glacier x2. Vise les yeux. 40. On tente à peu près. On récup. Peut-être recyclage ou glacier pour être safe. Ok, on a le Bieko. Donc on fait Bieko x2. Non, mais est-ce que Bieko x2, ça va pas faire que je meure sur ce tour en fait? Non, du coup, il vaut peut-être mieux faire Glacier x2 quand même. Faire recyclage sur IA créative. Jouer fusion pour le prochain tour. Faire vaisseau. Parcourir. On a aglo. On va jouer maintenant. On va rebond vise les yeux. Profondeur aussi. Ok. Et là, prochain tour, je vais pouvoir Bieko x2. Bieko x2. Voilà. Vise les yeux. Champ de force. Glacier. Ok. C'est bien là. Ça commence à prendre forme. On va hologramme glacier encore. Comme ça. On va virer IA créative orage. Et là, on peut commencer à jouer. Commencer à jouer, c'est plutôt une bonne nouvelle.
que je peux le tuer? Avec ça en vrai. On peut jouer des frags. La sèche fondeur. Jouer fusion. Okay. Là, je peux jouer tampon si on veut. Le sang froid. Être dynamique. Ça. Ok. Faut rester bon là en escape normalement. Après faut faire l'air passer multi quand même, mais en dehors de ça c'est bon quoi. Après faudrait que je me mette peut-être une lampe ténèbre. Faudrait que j'ai plus d'orbes en fait. Idéalement limite il me faudrait même il me faudrait une autre IA créative, mais bon je pouvais pas me permettre de les garder quand on me les avait proposé. Avec 48 avec la faiblesse quand même. Ça tape fort. Petite boucle. J'ai peur qu'on ait pas assez de. Enfin, qu'on scale pas assez rapidement contre le cœur, notamment. Ça m'inquiète un peu. J'aurais dû hologramme avant de faire ça. Du coup là ça me sert à rien de jouer à l'agglomération vu que j'ai plus de pioche. Un détail. En vrai, ça serait bien que je sois stack avec la pointe de stylo ou à 8. Comme ça. Comme ça, je pourrais peut-être en tuer un avec la dalle rituelle si je l'ai rapidement. On va essayer de la garder l'ordre. Bon, c'était tendu quand même. C'était tendu. Il est dur à jouer, je trouve, le défaite quand même. Ça dépend des DM en fait. Après, ça fait un petit moment que j'avais pas joué avec aussi. Enfin. J'ai vraiment beaucoup joué avec quoi. C'est pas mal ça. Est-ce qu'on veut pas prendre des potions plutôt? Non, peut-être pas. On peut prendre ça. Ok, bon, on y va sans potions. Et deux tapes. Est-ce qu'on tente la polyvalence ou croche-pied? En fait, tu sais qu'avec croche-pied, ouais, je vais pas pouvoir.
Ouais, si, je pourrais peut-être. Mais bon, je perdrais la pointe de stylo, quoi. Ça. Ça. On va prendre ses dégâts. D'un rituel à combien? 148. On a déjà tué lui, hein. Ouais, glacier champ de force. Je prends quand même des dégâts. Après, en vrai, j'ai pas 36 solutions. Ouais, je peux essayer de jouer bourre pour piocher. Champ de force, recyclage et jouer défense. Résonante. Attention. Je pas 16. J'aimerais faire vise les yeux x2, mais ça me sert pas vraiment, quoi. On va faire ça x2 plutôt. On va rebond vise les yeux. Comme ça, je pourrais faire vise les yeux x2 au prochain tour. J'aimerais bien jouer IA créative, mais le truc c'est que ça va pas me réduire ma draw et j'ai envie de piocher des cartes là. Donc en vrai, on va plutôt jouer ça, ça, ça. Est-ce qu'on joue vise les yeux? Non, moi j'ai pas besoin. Je pioche que 5 cartes au prochain tour. Ah ouais, je crois qu'il y a ça aussi en vrai. Je pense qu'on fait vise les yeux x2. Hein. 36. Faire sinistre rose, activation double. Ah, ça fait quand même prendre cher. Ouais, je setup cette merde. Ça, faire ça. Je vais encore prendre tarif au prochain tour là à ce stade. Et que l'homme je récupère quoi. Pas grand chose hein. Ouais je pioche en fait quoi. Ou alors je fais ça x2, je fais un 36 du coup. 42. 36. Là je fous le def. D'accord. Là on va jouer tour hyper x2. On va pas rejouer la forme résonante. On peut jouer ça et ça.
Il est mort de toute façon là. Ok. Au final, bon, j'ai quand même pris. Oh, ça c'est pas mal par contre comme potion. Ouf. Fission ou parcourir? Non, c'est fission. Faut que j'ai un setup plus rapide en vrai. Ok. Transmute. J'ai envie de prendre transmute, mais. Ah ouais, si on chope une apothéose, c'est. On fait défense forme résonante. Attention. Dans le place de la joue, elle a transmis. Ou alors je l'attache avec le cyclage. C'est un peu dommage. Ça va me baiser là en fait. Ça. En vrai, c'est la pire idée. C'est la pire idée de faire ça. Il n'y a pas un pouvoir. Peut-être prendre fission, ouais. Il faut que je fasse de la place, du coup. Oh, la gueule de mon truc. Oh, je suis mort. Je suis mort. Ça vaut le coup de fission, vraiment. Si, sûrement quand même. Inspiration, ouais, c'est non, c'est suicidaire de faire inspiration. Aïe aïe aïe, c'est pas très encourageant quand même tout ça. Je vais à 10, je crois que 5 de dégâts. Je vais jouer dissipateur. Ça fois 2, on va jouer ça, on va jouer ça. On va l'arme fois 2 au prochain tour. Et après je prends inspiration pour hologramme agglomération glacier. Faut-il que j'ai la place de le faire en fait? Ah bah ouais. Qu'est-ce que je pourrais récupérer une carte quoi? Ce qui est pas vraiment bien. Là je crève. Là, je crève, hein. Malheureusement. Pas assez d'énergie, je pense, hein, surtout.
Une petite main momifiée là, ça aurait pu peut-être faire la diff. Malheureusement, ouais, c'est trop long à setup là. En vrai, c'est quoi, vas-y, je vais juste recommencer sans faire la transmute parce que c'était clairement du trolling. Après le truc, c'est que j'avais rien à faire d'autre sur ce tour, mais je pense que dans tous les cas, on perd, hein, mais pour la science, on va voir si ça gagne. Par contre, le jeu, faut charger. Je pense que ça reste quand même la meilleure solution de transmute. Après, ce que je pourrais faire, c'est peut-être... Ouais, c'est peut-être forme résonante directe. Et peut-être que je pourrais recyclage transmutation. Après, ouais, je pense pas que ce soit bien. Merde, j'ai oublié de surtension du coup. Là, il vaut mieux piocher quoi? Il vaut mieux faire quoi? Il vaut mieux piocher avec compilateur ou jouer de l'acier? Ouais, si je chope. Ouais, si je chope un pouvoir, c'est beaucoup mieux le compilateur du coup. Sauf que je suis pas garanti de l'avoir, mon pouvoir. Avec découverte. Ah, il y a fission. Est-ce que fission est mieux que de l'acier? J'ai auto-hyper mais j'ai plus d'énergie. Le seul truc qui me redonne de l'énergie, c'est fission. Du coup, je nique ma pioche par contre en faisant ça. Oh l'apothéose. J'avais plus la bonne réaction au début. Oh la frappe météore aussi. Ok. Ah ouais, en vrai là c'est quand même assez différent. C'est quand même bien différent en vrai. J'ai envie de faire ça x2 mais je reprends encore des dégâts. C'est quand même rentable. J'aurais dû faire rayon 7 par contre. Ok. Ouais, là, du coup, on gagne sûrement, hein, en vrai. Pourquoi le dissipateur est pas upgrade par contre? Ouais, tu vois, il y a quand même une sacrée diff là. Hein. Comment je me tue là? Mais je suis trop con moi. Oh, il y a une sacrée diff! Mais je me tue quand même. Ah, mais je suis trop con! Après, en vrai, je pense que la pyramide c'est quand même pas ouf avec IA créative. Sauf si t'as une main momifiée quoi, mais. Ouais, dans tous les cas, ouais.
Ah, il y avait moyen de moyenner quand même. Il y avait peut-être moyen de douiller le fight, mais ouais, c'était tendu quand même. Après, je sais pas, je prends quoi, Ectoplasme sinon. Ectoplasme dans une run où t'as envie d'avoir Apothéose ou les pilules. Ou alors je prends la couronne. Mais bon, couronne acte 1. Enfin, pour l'acte 2. C'est chaud, hein. Ouais, je sais pas. Bon, ça reste une run sympa. Dites-moi pour le micro si ça va ou s'il y a des sauces. Et puis, ouais, hein, je vous dis à bientôt pour une autre run. Hein.